Françoise Dolto, ma mère, était très pragmatique. Elle se méfiait beaucoup des gens qui avaient des grandes idées et elle s'intéressait énormément à ceux qui entraient dans l'acte et qui faisaient des choses, qui mettaient la main à la pâte. Et c'est pour ça, je crois, qu'elle a tellement soutenu Fabienne et Michel et ceux qui les entouraient à l'époque, parce que quand ils sont venus la voir, ils avaient déjà commencé l'école. Ils s'étaient engagés dans le processus, il y avait des élèves, il y avait une pratique, et donc ça lui a paru un endroit privilégié pour réfléchir avec eux, puisque c'était déjà de la réflexion qui s'articulait à une mise en pratique. Et ça, c'est quelque chose qui lui était très... très très important, toujours. Elle aimait les gens qui s'engagent et elle était quelqu'un qui s'engageait.